Celui-là est suffisant. Il y a un aéroport à Rennes, il y en a un ici. On va pas faire encore un troisième aéroport entre les deux. D'autant qu'a priori, Rennes aurait continué à exister. Donc, c'était pas pertinent d'en faire un autre. Je suis neutre. 55 ans, je veux dire, puisque je suis vendéen. Et pour moi, c'est plus intéressant d'être voir l'aéroport au sud de la Loire que de l'autre côté, au nord de la Loire. C'est surtout se foutre un petit peu de la gueule des gens. Des gens qui ont voté, des gens qui espéraient, des élus aussi, les élus, et ça fait 40 ans, hein, qui sont dessus, qui travaillent. Bon, après, je vais vous dire, le coup de la grenouille palmée, dorée ou machin, on s'en fout, hein. Alors égoïstement, je vais dire que moi ça m'arrange, parce que venant de Pornic, c'est beaucoup plus près pour moi de venir ici que d'aller cavaler à Notre-Dame-des-Landes. Bon, maintenant. Je pense qu'au niveau aussi environnement, c'est pas mal, parce que ça évitera de détruire quand même pas mal de nature. Maintenant, bon, pour les gens qui habitent à côté, qui entendent des avions au-dessus de leur tête, effectivement, ça, c'est pas cool sûrement pour eux, quoi. Je pense qu'économiquement, ça aurait pu apporter pas mal de choses au niveau de la région Pays de Loire, même Bretagne, ça aurait été intéressant. Après. On n'a plus de choix. Sur le plan écologique, magnifique. Mais j'espère que les gens pourront rester simplement, surtout ceux qui exploitent en ce moment, quoi.